Et encore, j'en ai une d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Je pense souvent à elle, le défaut. Oh, ah, ma blessure. Voilà. Ah. Voilà, en direct. Aïe, aïe, aïe. En direct, ton comportement, voilà. Hey tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec mon chéri. Puisqu'aujourd'hui on va faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est un mon mec peut-il, ma meuf peut-elle. Il est pas au courant du coup de la vidéo, tu viens de la prendre. Ouais. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que vous nous avez posé plein de questions sur Instagram. J'ai les questions juste ici. Et pour t'expliquer un peu le concept parce que eux ils connaissent sûrement. D'accord. En fait ils vont dire par exemple, c'est un exemple. Ta meuf peut-elle mettre un décolleté, un exemple. Et toi du coup tu vas dire oui ou non et moi pareil. Est-ce que ton mec peut nanani. Moi je vais dire ouais il peut et non. Et on développe pourquoi. D'accord. C'est tout bidon. Donc comme ça vous allez en apprendre plus sur nous et je trouve ça cool. Ouh. J'avais un poil. C'est beau. Dites-nous surtout dans les commentaires si vous, bah votre mec il peut le faire et si votre meuf elle peut le faire ou si c'est nous qui sommes bizarres. Dites-nous là chez vous, vous avez le droit. Bref du coup on arrête de parler et tout de suite je vous laisse avec la vidéo. Dis-moi si je te dérange en fait. Non pourquoi. T'as pas le droit de tousser. Bah excuse-moi, tu veux que je m'étouffe. Je rigole. On commence avec la première chose. Ton mec peut-il t'insulter? Ou ta meuf peut-elle t'insulter? Alors attends. Ouais, ça commence fort hein. Vas-y, je te laisse répondre en premier. T'as pas de droit mais tu le fais quand même. Tout simplement. Donc ta meuf peut-elle t'insulter? Non. Tu peux pas m'insulter. Non mais t'es quoi encore? J'explique, je m'explique. Alors, pour répondre à la question en passant par deux chemins, hein, le mien et le tien. Il n'y a pas le droit de m'insulter parce que sinon je pète un câble, je supporte pas ça. Mais par contre, c'est vrai que quand je m'énerve, j'ai tendance à insulter un peu. Mais par contre, c'est pas des insultes de fou, hein, c'est pas des genre fils de quoi, c'est pas des trucs comme ça. C'est plutôt tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais bon, je me la ferme. Genre, ferme ta des trucs comme ça. Mais c'est pas tout le temps. Déjà, j'essaye de pas le faire. J'essaye de plus le faire. On a dit qu'on s'insultait. C'est horrible de s'insulter. C'est laid. Faut pas s'insulter. Mais par contre, nous, les filles, franchement, pareil, dites-moi en commentaire. Mais je suis sûre que vous, les filles aussi, quand vous énervez, vous traitez. C'est, des fois, c'est plus fort que nous, tu vois. Et moi, je suis obligée de me la fermer parce que sinon. Ouais, fais pas ta victime. Arrête un peu, tu réponds, espèce de menteur. Bah. Bref. Ouais. Ta meuf a-t-elle le droit de faire la bise à son ex? Sinon je t'adore. Déjà que tu le vois même, que tu le vois même pas. Déjà de... Ouais mais ah, si voilà. Je le verrais, si je le verrais. Est-ce que j'aurais le droit de faire le... Il dévise à manger, il va me mettre une gifle. Certainement pas. Bah quoi y'en a. Je vois pas le... Je vois pas le rapport en fait, je vois pas l'intérêt. Alors moi pour répondre... Franchement, on a côtoyé pas mal de temps ton ex et tu lui faisais la bise. On la voyait à chaque soirée et tout. C'était un code différent aussi. Donc moi, il peut. Ouais, parce mais que c'était, différent. C'était différent. C'était... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a rien de différent. C'est parce que c'est tout, c'est comme ça. Bah non, ça reste ton ex dans tous les cas. Non. Moi, j'ai pas d'ex, moi, c'est pas vrai. Moi franchement bah si je suis là après quand c'était dans la situation comme ça bah voilà ça me dérange pas. Après si genre t'es dans la rue, tu croiserais une ex, tu commences à lui faire la bise, elle lui dit taper la converse, je crois que je vais pas être d'accord du tout. Donc voilà, ensuite on passe à la prochaine question. Ton mec a-t-il le droit de sortir boire un verre avec ses amis filles sans toi? Alors laisse-moi répondre. Déjà il y a pas d'amis filles, déjà c'est moi. Moi je suis sa seule amie, je vois. J'ai jamais compris les mecs qui ont des amis filles. Alors sauf si par exemple t'avais une meilleure amie quoi avant moi par exemple. Ouais. Là ouais, c'est... Voilà. Et encore j'en ai une d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Je pense souvent à elle le défaut. Oh ah ma blessure. Voilà. Ah. Voilà en direct. Aïe, aïe, aïe. En direct ton comportement voilà. En direct. Oh, t'as que ça... Ah, t'es dans l'abus aussi. T'es là. Ouais, je pense souvent à elle. Ta gueule en fait. Voilà, ça revient à l'insulte. Voilà. Voilà. Si je te dis pareil, je crois que ça va pas te plaire. Non, je rigole. Non, non et non.
Par contre, si, je t'ai déjà laissé sortir avec des potes, on va dire. Je t'ai déjà laissé sortir en boîte avec des potes, ça me dérange pas trop parce que je te fais quand même confiance. Heureusement. Et toi? Quoi? Parce que je peux sortir en boîte avec des amis garçons sans toi. Non, c'est pas pareil. Quoi? Comment ça? Ça dépend. Par exemple, si c'est des amis gays, Est-ce que t'as des amis garçons déjà? Non, aucun. Ouais. C'est toi mon seul ami. Bah, ça va jamais se passer. Non, mais si c'est des amis gays, j'en ai des amis gays. Et alors? Ça te dérangerait pas, par exemple? Si. Trop possessif. De toute façon, moi, j'aime pas sortir... Je suis toujours embêté. De toute façon, moi, j'aime pas sortir en boîte avec personne d'autre que toi. Hein. C'est mieux. Quand on a dos, on s'amuse. Quand on a dos, on s'amuse. Ouais. Voilà. Nous, on aime pas les gens. Bref. Bah après, ça, c'est à peu près la même chose. C'est genre, ton mec a-t-il le droit d'avoir une amie que tu ne connais pas? Sûrement pas. Y a pas d'amis. Non, j'essaye pas en fait. Non, bah... Sinon. Ta meuf a-t-elle le droit de dire bisous à un garçon qui n'est pas de sa famille? Genre quand on raccroche le téléphone. Bon, ça dépend qui. Dis pas non à tout quand même, les gens ils vont croire que t'es excessivement jaloux. Ouais, ça me dérange pas. Je peux être dans l'abus, mais c'est pas possible. Après, que ça dépend. Si c'est bisous, ça va. Si c'est bisous, là c'est différent. Ça change tout. En tout cas, ouais, après moi, tu dis bisous à ma soeur et tout, je m'en fous par exemple. Ouais. Après, ça dépend si c'est après, une inconnue. Si j'aime bien ou quoi, tu vois, c'est différent. Si c'est. Non, mais arrête de jouer ton malin, c'est chiant. Par contre, si genre c'est une inconnue, tu vas pas lui dire bisous parce que je vois pas le rapport en fait. Non. Mais dans tout ça, moi je m'en fous, personne, mais c'est toi qui vas te taper là. Non, tout ce qui est inconnu, tout ça, moi je raccroche direct. Hein? Déjà, quand ma mère te dit bisous, tu dis non, pas bisous. Tu vois? Ta meuf a-t-elle le droit d'être bourrée? Et ils ont posé des bonnes questions. Ils ont posé des bonnes questions. Alors, ça peut arriver. Est-ce que j'ai le droit d'être bourrée? Bah bien sûr. Bah ouais, t'as le droit, faut ne plus abuser. Ouais, bah pas non plus au point de plus savoir se relever, mais j'ai le droit. Tant si que genre... Tu sais te mettre tes limites toi-même. Mais de toute façon, depuis que je suis malade, je bois plus. Alors c'est très rare. Je serai alcoolique, je cacherai tout. Après moi aussi, jetterai tous les bouteilles. Pareil, mon mec a le droit d'être bourré. Ça me dérange pas, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais. C'est son problème. Si après il y a froid au cul. Non, c'est bon. Ah, je peux le dire. Mmh. Allez, deux secondes. Une fois, il était bourré à mort et il disait ah, j'ai froid au cul, j'ai froid au cul. J'ai jamais compris pourquoi. Très intéressant. Ouais, c'était trop drôle. T'étais là, tu disais. Je t'ai pas demandé. Oh, j'ai froid au cul. Mais je t'ai pas demandé de raconter ça en fait. Bon, je sais pas si je le mettrais. Et en plus, sur ta chaîne, ça va aller, ouais. Ta meuf a-t-elle le droit de s'habiller sexy? Bien sûr que oui. Pas dehors. Non, allez, sérieux. Pas non plus abuser. Hein. Donc j'ai le droit. Après. Il y a des limites quand même, faut pas être vulgaire voilà. Non plus. Sans être vulgaire. Mais sinon, bon, je sais que tu vas pas être vulgaire, donc je te laisse. Bah ouais. Et je dis ça, mais moi je suis tout le temps gros pull en fait sur ma chaîne. C'est après, normal, c'est moi qui te l'ai dit. Bah moi je peux pas trop répondre à cette question parce que est-ce que mon mec peut s'habiller sexy Je vois pas le rapport. Un string de temps en temps, ça va. Ton mec, ta meuf peut-elle aller sur ton téléphone? Bien sûr que oui. Et comment il répond ses raisons? Bien sûr que bien oui. Sûr que oui. Bon, encore heureux, hein. Bah ouais, sinon ça veut dire qu'on a quelque chose à se reprocher quand on veut pas laisser le téléphone. Hein? Ouais. Et toi, tu me laisserais ton téléphone? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Bon, tu le quand tu veux, bah ouais. T'as tous mes mots de passe, tu vérifies tout. Les mecs, j'ai envie de dire, les mecs qui laissent pas aller les meufs sur leur téléphone, qui mettent le téléphone toujours à plat face contre le bureau, qui gardent tout le temps leur tel avec eux, même quand ils vont se laver, quand ils vont aux toilettes, quand peu importe, qui te laissent pas, qu'ils ont peur quand tu as sur ton téléphone, ça veut dire qu'ils vous cachent quelque chose, c'est tout. Bon, on va dire, ton mec a-t-il le droit de partir en vacances une semaine seul avec une amie? Donc toi avec un ami. Donc attends, je réponds en premier. Non. Bah non. Après, ça s'est jamais passé après. Ah, après je fais confiance, mais non, enfin je vois pas l'intérêt, sinon bah... je vais vouloir le faire aussi. Ouais, après je préfère passer une semaine ensemble ou quoi que... Après si vraiment tu voudrais, bah on peut en parler, mais...
Je veux trouver... Ça dépend quel ami. Je vais trouver un ami... Fiable. Carré, non. Ouais, de toute façon, je vois pas le rapport de partir en vacances avec un ami. Et moi? Attention à ce que tu dis, je vais retenir. Ça m'a dit ouais devant les gens. Non. Non. J'ai pas intérêt, tu restes avec moi. Tu restes avec moi, tu gardes les enfants avec toi. Tu passes des vacances avec les enfants si tu veux. Mais c'est tout. Oh, de toute façon, moi je m'en fous. De toute façon, t'es pas sociable. T'as pas de copine. Ok, je suis connue sur les réseaux sociaux, mais je suis pas sociable. À distance. Ouais, c'est vrai que dans la vie, je suis pas très sociable. Non, mais c'est vrai. Si, je suis très sociable, je suis très gentille et tout. Mais en fait, je vais pas vers les gens, j'ai pas trop d'amis, voire pas du tout. J'ai que mes réseaux, quoi. Enfin, après, ça me suffit largement. Oh my god, ta meuf a-t-elle le droit de te traiter de connard? Ouh, elle fait bien plus. Ouh. Non, tu fais passer pour je sais pas qui. Non, tu sais quand t'es énervée. Écoutez-moi ça, ton mec a-t-il le droit de te mettre la honte? Oh que oui. Oh oui, parce qu'il le fait tout le temps. Tout le temps, tout à l'heure j'ai allumé la caméra, je vous mettrai un extrait, il a commencé à me clasher. Pourquoi? Bah dès que j'ai allumé la caméra, t'as commencé à me clasher pour me foutre la honte. Écoute, ton mec a-t-il le droit de bouffer un McDo sans toi? J'ai réfléchi 2-3 secondes. Non, je pense que tu me le volerais. Tu le prendrais de rage. Non mais je serais pas là genre. Oh. Pour eux. Bon. Tu crois que je vais bien le prendre moi? Si je mange un McDo sans toi. Déjà c'est à moi de répondre à cette question, ton mec a-t-il le droit? Ah mais ouais. Donc moi je réponds, non il n'y a pas le droit parce que quand si après il va au resto et tout des fois avec ses potes tout ça. Mais genre, il n'y a pas le droit de manger un McDo sans moi parce que moi j'adore le McDo genre. Si moi j'ai un McDo je vais être vénère. Je te ramène un petit burger et c'est bon, tu te la fermes, tu dis plus rien. Tu te la fermes. Il est défoncé toi. Non, je gueule. Ton mec, ta meuf a-t-elle le droit de faire du shopping avec la carte de l'autre? Oh ouais. Bah oui. Ça me dérange pas. C'est plutôt lui qui prend toujours ma carte. Certainement pas. Mito, on est là pour dire la vérité, moi je mens pas. J'en mets ta carte. Ça arrive que je prends ta carte pour faire quelques trucs ou pas. Tu prends toujours. Ah, mais tu prends jamais ta carte. Ça arrive que je prends ta carte pour faire quelques trucs ou pas. Vous voyez? Non. Vous voyez? Ah, il y a ouais, ça veut rien dire. Mais ça veut pas dire que je prends ta carte pour aller faire mon shopping ou quoi que ce soit. Ouais, des fois quelques courses, je prends ta carte ou... Des fois de l'essence, tu prends ma carte. Des vêtements, tu prends ma carte. H24, tu prends ma carte. Faut pas mentir. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais souvent. 90 fois sur 100, tu prends ma carte. Mon pote. Oui, mais je prends ta carte parce que tu vides mon compte. En premier, tu vides mon compte et après tu prends... Je lui demande jamais rien, je vous jure. Mais c'est pas méchant, c'est pas grave. C'est non, après le compte, c'est. Nos comptes, c'est. Oui. C'est à nous deux. Franchement, ça fait je sais pas combien d'années qu'on est ensemble. Donc forcément, que le compte, c'est à nous deux. Et vous dire à chaque. Vous allez vous dire à chaque vidéo, je bois ce truc. Je suis pas sponsorisée, mes chéris. C'est juste que j'ai filmé le même jour que tout à l'heure. Vous direz qu'est-ce qu'elle fait, elle, tout le temps avec son truc. Attends, j'ai soif. Ton mec a-t-il le droit de faire un smack à ta meilleure amie? Genre pour un jeu. Bon alors, franchement, je lui craque le cou. Je lui éclate sa tête contre le sol. Et toi? La réponse est claire et nette, simple, précise. Non, ça me dérangerait. Non mais est-ce que moi j'ai le droit de le faire à ton meilleur ami? Non, certainement pas. C'est un jeu. Même pour un jeu. C'est horrible, bah ouais, encore heureux. Bon, excuse-moi. Je vois pas l'intérêt, quelle sorte de jeu. Mentalité, bah... Après, ça dépend des gens, leur mentalité qu'ils ont. Ouais, c'est pour un jeu. C'est bon, au final... Pour un jeu. Alors, à 30 ans, tu joues à un jeu. Voilà. Ton mec, ta meuf a-t-elle le droit de liker des photos de filles à moitié nues? Ou alors d'hommes à moitié nues? Bisous, je vous aime. Bisous. Non. Tu. Non. T'as droit, mais si je le vois. Bah, je demande, on parle de toi, est-ce que j'ai droit par rapport à toi? Si je le vois. Déjà, je fais pas ça. Je like aucune photo de mec. Aucune. Non. Je like pas de photo de mec. Après, zéro. En fait, le truc, c'est pas le fait de liker. Mais je suis aucun. C'est question que après ils vont sentir, tu vois, oh bah mal liker, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Mais sinon, liker, c'est rien. C'est qu'à distance, hein, tu vois. Ils ont pas la même façon de penser.
Ouais, surtout les mecs. Moi je dirais qu'il y a le droit de liker les photos de filles à moitié nues. Si c'est genre toujours la même réponse que tout le monde dit, mais c'est vrai, si c'est genre des stars et tout, je m'en fous. Genre si tu likes Maria Jennifer Lopez, voilà, je sais qu'il n'y a pas moyen, donc je m'en fous. Mais par contre, si c'est la voisine du coin ou une meuf qu'on connaît ou quoi. Bon, dernière question du coup, mes chéris. On va. Ton mec ou ta meuf peut-elle aller à l'anniversaire d'un de ses copains sans toi si tu es malade? Ça dépend. Il n'y a pas trop envie. Non, ça dépend de tout après. Déjà, ça dépend de qui, ça dépend il y aura qui, ça dépend si c'est des personnes de confiance, ça dépend... Ouais, bon, bah, c'est mort, quoi. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Et qui juge que c'est une personne de confiance ou pas? C'est toi. Après, je préfère connaître les personnes, déjà. Mais bon, après, c'est... Bah, par exemple, si ça serait l'anniversaire de Casso, je peux y aller, sans toi. Je la connais pas, celle-là. Non. Hmm. Moi pas. Hmm. Ça réfléchir. Ouais. Ben moi, t'as déjà été à des anniversaires sans moi quand j'étais malade ou que j'avais pas envie de venir. Donc toi, t'as déjà été aux anniversaires quand j'étais malade. Ouais, donc ouais, t'as le droit. J'ai le droit. Bah ben ouais, surtout si j'ai pas envie d'y aller. D'ailleurs, j'ai prévu quelque chose cette semaine. C'est vrai. Un restaurant avec des amis. Mais c'est ce que tu fais souvent. Ouais, bah ben, c'est vrai. Encore? T'es sérieux? Ouais. Non mais. Non. Bah voilà, non mais attends, une fois de temps en temps, mais j'en poussière. Voilà, ça. Une fois de temps en temps, il faut pas non plus abuser. J'ai fait exprès pour faire montrer comment tu parles. Non, c'est vrai. Et ouais. On a droit. Bon, voilà du coup mes chéris, on espère que la vidéo vous aura plu. Nous, franchement, on a trop kiffé faire cette vidéo. On a trop kiffé faire cette vidéo parce que franchement, comme ça, c'est drôle, comme ça on peut. Ah, on peut, ouais, je vois quoi. Voilà. Bon bref, du coup, si la vidéo vous a plu, mettez un like, commentez, partagez. Quoi? C'est pesant. Bientôt, on va faire une petite danse pour expliquer ce que... Non, non, fais une tout à l'heure avec les petits. Alors, commentaire, c'est ça. Commentez, partagez. Commentaire. Si ça a plu, en attendant, on se donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. Et on vous fait plein de bisous. À bientôt.